pouvez m'expliquer en même temps? Alors, je mets deux fleurs de semaine qui s'achètent. Je mets le crochet. Là, il est en consomme. Hein? Allez, on continue. Je passe aussi à l'opposé qui va mettre une étiquette pour les paires. Alors les cartons, ils arrivent sur palette. Le client il nous appelle. On a un responsable qui va chercher les palettes. C'est Irwan. Quand les palettes arrivent, on va chercher les responsables qui s'occupent des chaussettes qui les mettent par taille. Après, ils nous donnent les cartons. On passe à ouvrir les cartons. On retire les anciens cavaliers. On les met dans les bacs. Après, on les fait repasser par des autres collègues dans les nouveaux cavaliers. Et après, dans les cavaliers, ça passe au fond de la chaîne en remettant en sachet par trois. Et quand il y a trois, on les ferme et on les met en carton par huit. Et quand le carton est plein, on remet ça sur la palette. Voilà. Si, et des fois, on a aussi des chaussettes qui arrivent. Ça veut dire que si le client nous dit de retirer les mauvaises étiquettes, on remet des nouvelles étiquettes avec un pistolet. On prend la piqûre, on prend la chaussette et on pique tout l'ensemble de la chaussette. Et après, on appuie pour faire ressortir la petite attache. Et là, ma chaussette, elle est prise. Je prends le cavalier. Je passe en dessous. Voilà. Quand ma chaussette, elle est bien passée. Je reclique le cavalier. Oh, ils ont mal pris les cavaliers. Je redescends ma chaussette. Et après. Ah, mais vous pouvez me dire, hein, oh bah. C'est pas fini encore. Après, quand ça arrive ici, les chaussettes, je prends un sachet. Je mets mes trois paires de chaussettes dans le sachet. Je prends le sachet. Et je mets un morceau de scotch. Voilà. Après, je prends mon carton qui est vide. Et je les range par 8 dans le carton. Et quand j'ai mis 8 paires de chaussettes, je ferme le carton et je remets sur la palette d'origine. Depuis 2010, nous faisons partie du réseau Différents et Compétents afin de faire reconnaître les compétences des travailleurs sur certains points qu'ils savent réaliser. Donc on ne les met pas en situation d'échec parce qu'on fait vraiment sur ce qu'ils savent faire. Ils font une reconnaissance, ils ont un cahier à remplir avec tout ce qu'ils font, les gestes, les photos. Après ça, ça va à l'éducation nationale ou à l'agriculture, ceux qui sont paysagers. Et après, on fait une cérémonie, on leur remet leur attestation avec toutes les personnes qui ont fait la reconnaissance en Ile-de-France. Et ça se fait une fois par an. Donc ils passent devant des jurys, des professionnels, directeurs d'établissement, éducation nationale.
Et avec leurs moniteurs, ils les ont accompagnés tout le long de leur parcours. Voilà. Voilà. Et nos moniteurs sont formés apparemment pour pouvoir aider les travailleurs. La haie, les maisons. Ah oui, on a fait un remis d'état d'un vin. On fait la taille de la ruche et un rachat de l'arrière.